Europe 1, le marché du midi. Assiette, verre, couteau, serviette. Ah bah tiens, vous êtes déjà là. Allez, entrez, installez-vous et soyez les bienvenus. Bonjour à tous. Tout au long de cet été, Europe 1 dresse la table et vous invite à savourer le meilleur des produits made in France. Ensemble, nous allons humer, croquer, déguster, savourer, goûter, bref, nous régaler du meilleur de nos produits. Je vous emmène à la découverte des terroirs de France. Suivez-moi. Solide, liquide, verte, noire, fruité, mûre ou ardente, vous l'avez reconnu. Une huile d'olive, quoi ? C'est comme une femme, il faut savoir la choisir parfumée, subtil. Oui, bon, ben ça c'est l'avis de Fernandelle. C'est évidemment de l'huile d'olive et de l'olive dont nous allons parler, que je vais mettre dans vos assiettes ce midi. Je vous en conterai l'histoire dans un instant. Nous partirons à la découverte d'un des plus beaux, et c'est le cas de le dire, terroirs qui la magnifient, les Baux de Provence, où nous retrouverons Jean-Benoît Hugues, oléiculteur au moulin de Castelas. Et puis, eh bien, nous la cuisinerons, cette huile, chaque semaine, tout au long de l'été. Un ou une jeune chef nous accompagnera et nous proposera des créations originales avec ses beaux produits. Préparez-vous donc à prendre des notes. Et cette semaine, c'est la doublement étoilée chef de la scène à Paris, Stéphanie Lequellec, qui prend le contrôle de nos fourneaux. Bonjour Stéphanie Lequellec. Bonjour Olivier Pouls, bonjour à tous. Merci d'être là et la marraine de terroir. Ben, il paraît, avec grand plaisir. En tout cas, merci en tout cas, je suis ravie d'être la marraine de cette belle aventure. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, Stéphanie Lequellec, c'est La Seine, deux étoiles à Paris. MAM, votre maison de cuisine familiale à emporter. Et puis, depuis cet été, le Grand Hôtel à Cannes, où vous animez la plage. Absolument, je retrouve un peu l'huile d'olive comme ça. Voilà, alors l'huile d'olive, en trois mots, c'est quoi pour vous? C'est quoi dans votre cuisine? Alors, c'est une empreinte forte dans ma cuisine, puisque moi j'ai passé 8 ans en Provence, 8 merveilleuses années où l'olive et l'huile d'olive avaient la part belle. Alors bien sûr, depuis j'ai réintégré un petit peu de beurre dans la cuisine, mais j'ai toujours plaisir à retrouver, c'est un ciment dans la cuisine, c'est-à-dire que ça va être un vecteur de saveur, aussi bien cru que cuit d'ailleurs. Oui, et bien vous savez que selon la légende, l'olivier serait un cadeau des dieux aux hommes. Alors bon, ça c'est la légende, parce qu'en réalité, il s'agit d'un arbre qui serait originaire de l'Asie mineure. On en voit les premières traces à l'état sauvage il y a à peu près 14 000 ans, alors j'étais pas là pour vérifier. Mais les premières traces de plantation d'olivier, c'est il y a 3 000 ans avant notre ère, et c'est en Crète, figurez-vous. Et à l'époque, on utilisait déjà le fruit et l'huile. En France, les plantations d'oliviers se répandent dans le sud au 19e siècle. C'est donc beaucoup plus tard, avec un pic de production dans les années 1840, figurez-vous. Et à ce moment-là, on compte 26 millions d'arbres d'oliviers. Et c'est un chiffre qui va décliner. Alors les guerres, les gels, le développement de la vigne réduisent cette population d'oliviers en environ 3 millions d'arbres dans les années 60. Et vous savez pourquoi ça a redémarré ? Non mais vous allez me raconter. Bah oui, et bah vous savez, c'est le fameux French Paradox, la cuisine méditerranéenne, cette soi-disant bienfaisance des produits méditerranéens et donc de l'olive et de l'huile d'olive. Et ça va relancer cet engouement et faire exploser la consommation dans les années 80-90. L'Espagne est aujourd'hui le premier pays producteur mondial d'huile. En France, on compte 8 appellations d'origine protégée et puis toute une variété d'olives. L'olive pour vous, c'est plutôt liquide, c'est plutôt solide, c'est plutôt un condiment. Comment vous la voyez dans votre cuisine ? C'est d'abord l'huile d'olive. Je crois que j'utilise quand même plus l'huile d'olive que les olives en général parce que c'est un socle comme ça de cuisson, c'est une caresse, c'est une matière grasse donc qui va forcément aider à développer les arômes d'un poisson, d'une viande, d'une salade selon qu'on l'utilise cuite ou crue pour cuisiner ou assaisonner. Mais comme ça, ça va jamais prendre le pas. Je trouve que ça vient sublimer un mets sans jamais en prendre le dessus. Et ça c'est assez grand. C'est très subtil à utiliser. C'est l'élégance. Pour moi, l'huile d'olive vient souligner tout en délicatesse. Et alors, quand on parle de l'huile d'olive et de sud, on ne peut pas négliger la tapenade, évidemment, qui est un dérivé des olives. Alors, c'est un plat qui, lui, est né en 1880 à Marseille, figurez-vous. C'est le cuisinier Meynier qui l'a inventé. Vous la faites, la tapenade ? Oui, j'en ai eu fait, j'en fais encore. Mais j'en fais plus en vacances, j'avoue, hein, que dans ma cuisine. Dans un bol avec un pilon, de l'huile d'olive, des olives, des capres. Oui. D'ailleurs, ce sont les capres qui ont donné à la tapenade son nom. Des anchois, de l'ail, des herbes.
dans les règles de l'art. Épiler, c'est très important, vous l'avez dit. Oui, il faut faire au pilon, parce que quand on hache au blender, comme ça, ou dans un cutter, on vient casser un peu la fibre de l'olive. Alors que quand on est au pilon, comme ça, on vient tout exprimer. On a l'huile naturellement contenue dans les olives qui sort. Et c'est vrai que ça donne une liaison qui est tout à fait différente et des arômes tout à fait merveilleux. Et alors, pour moi, la tapenade, c'est l'apéro. J'ai tout de suite envie de déboucher une petite bouteille. Mais vous déboucheriez quoi, d'ailleurs, Olivier ? Bah, écoutez, on est en été, on est en Provence. Un petit verre de vin rosé, avec modération évidemment, et puis peut-être vous êtes à l'heure de l'apéritif et vous êtes en train de vous préparer à passer à table, alors n'hésitez pas. Voilà, on y est, notre verre de vin rosé. Et puis écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? Dans un instant, on va se déplacer, on va partir dans un des plus beaux endroits de France, les Baux-de-Provence, et nous allons aller récolter l'olive, parler de l'huile d'olive, et nous allons rencontrer l'un des plus beaux producteurs de ce produit magnifique. À tout de suite.